Manipuler les caisses avec les moyens ayant la portée et la longueur des fourches appropriées aux dimensions des emballages. Manipuler les dalles en utilisant des châssis à ventouses et des chariots qui permettent le transport vertical. Si vous manipulez des dalles individuelles, il est préférable d'utiliser des palonniers à ventouses à vide contrôlé. Au cours du déplacement, contrôlez l'état de la ventouse. Pour exécuter une pose en bonne et due forme, il est nécessaire de réaliser la condition du lit entièrement adhésif, c'est-à-dire étaler la colle aussi bien sur le support de pose en ayant vérifié auparavant sa prédisposition que sur la surface postérieure de la dalle. La colle doit être choisie en fonction du type de support, de l'utilisation prévue et des conditions d'exploitation. Pour éliminer les vides résiduels sous la dalle, vous devez procéder à un premier battage manuel, puis à une vibration mécanique. L'utilisation des carteurs assure la planéité du sol. Pour la pose d'un revêtement, il est conseillé d'utiliser des colles ayant un faible glissement vertical. Il est important de s'assurer de l'absence de vide à l'intérieur de la couche de colle. Procédez au jointage uniquement lorsque la colle est sèche. Une fois les écarteurs retirés, étalez l'enduit en remplissant tout le volume existant entre deux dalles. Avant de procéder à la pose sur sol en céramique déjà existant, vérifiez que le support réponde à toutes les exigences nécessaires pour la pose. Dans certains cas, l'utilisation d'une sous-couche peut favoriser le séchage de la colle et améliorer la résistance du sol final. Les opérations de découpe et de finition des bords doivent être exécutées par au moins deux opérateurs équipés des outils appropriés et réalisées sur des surfaces planes, stables, en mesure d'amortir toute vibration entraînée par les outils. Les trous circulaires doivent être réalisés uniquement avec des fraises diamantées pour graisser rame. Au cours de cette opération, faites balancer la fraise avec un mouvement rotatif sans exercer de pression excessive.